Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Je viens de Chili, je suis à Paris depuis 3 ans. J'avais fait de la danse quand j'étais petite. Après j'ai arrêté et j'avais commencé il y a 5 ans. Je fais moitié de mon temps pour la danse classique et l'autre moitié pour la danse contemporaine. C'est deux choses différentes mais en même temps qui se complètent. C'est un art, c'est comme la peinture, c'est une expression. Ce que j'aime surtout ici, c'est les professeurs surtout. C'est un peu l'ambiance, c'est assez familial. Le Marais, il a pas mal évolué pendant l'histoire de la ville. Mais ça doit avoir été un joli palais parce qu'on voit les traces encore des espaces un peu comme un palais, quoi. J'ai voyagé à travers pas mal d'univers de danse. Je suis tombée complètement accro de ça. Le nombre de femmes qui, au fur et à mesure de la pratique de cette danse, se sont affirmées, féminisées. En fait, c'est vraiment la féminité dans ce qu'elle a aussi de puissant, de coquin, et aussi la sexualité, mais ce n'est qu'un des aspects. Quand je danse, pour moi, c'est comme si je faisais de la musique avec mon corps. Donc avec la danse orientale, je trouve ça. Et puis ce que j'adore, comme c'est dans une cour, quand toutes les fenêtres sont ouvertes et que vous mettez au centre de la cour et vous entendez toutes les musiques différentes de tous les styles du monde. Et ça, c'est un bonheur aussi. Yo adivino el parpadeo. De la luz. J'ai commencé au cours débutant, hein, puisque je n'avais jamais fait de flamenco. Puis petit à petit, je suis devenue un peu accro. Si je peux venir danser 1 heure tous les jours, quasiment, je viens. En fait, j'avais essayé plus jeune et j'avais pas accroché. Comme quoi, je pense que ça correspond vraiment à certaines étapes de sa vie. Peut-être à un certain âge ou à une certaine maturité. Il y a beaucoup de sentiments.